toi comme ça? Ben, à l'école, comme à tous les jours. Ça lui fait pas de se lever à midi, il en perd des bouts. OK, mais tu vas m'enlever ça, s'il te plaît. Puis refais du jus quand tu prends le dernier verre, OK? Mais quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a, mon bandana? Tu l'aimes pas? Moi, je trouve qu'il est super cool. C'est pas que je l'aime pas. C'est que je veux pas que tu le portes. Ben, tu commenceras pas à me dire comment m'habiller, hein? J'ai pas envie d'avoir l'air d'un petit monsieur. Manolo, tu sors pas de la maison avec ça sur la tête. C'est tout? Tain, je le porte plus, là. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il est content, mon petit papa? Oui, je suis super content. D'ici. Va falloir que tu me passes sous le corps avant. Je veux retourner chez nous. Je vais me mettre la face dans mon sac à lunch puis la laisser là. Sylna, je serai plus jamais capable de me pointer à l'école. Même moi, je vais rire de moi. J'ai passé la moitié du cours à bégayer. Je suis déshonorée. C'était le premier atelier. T'étais nerveuse. Ça va juste être bon pour toi, l'expression théâtrale. Certain, oui. Et te souviens-tu comment j'étais poche quand j'ai joué dans ton film? Mais justement, t'es trop gênée, Pénélope. Ça va te déniaiser. J'aime mieux rester niaiseuse que faire rire de moi. Ben, personne ne rit. Bon, c'est pas vrai, mais je suis quand même pas pour lui dire. Puis les petits hi-hi que j'entendais à tout bout de champ, c'est les chaises qui craquaient, je suppose. Bon, t'as peut-être eu l'air folle un petit peu. Mais tu vas voir, d'une semaine à l'autre, là, ça va aller mieux, c'est sûr. Bon, on fait l'exercice qu'il nous a donné, OK? Jouer un sketch sans parole. Comment qu'on pourrait faire ça? Pénélope, s'il n'y a pas de parole, tu pourras pas bégayer. J'aime pas ça, jouer devant le monde. Ah, oh, je le sais, là, mais il faut que tu te forces. Fais le sketch en parole avec moi, OK? C'est rare que je te demande quelque chose. T'es mon ami ou non? Comment tu veux faire ça, un sketch sans parole? C'est niaiseux. Mais je pense que j'ai quelque chose qui pourrait nous donner des idées. Le langage non-verbal. On va s'aider avec ça. Et que c'est excitant. Tu vois, une personne qui se croise les bras, ça veut dire qu'elle met une distance. Ah, se gratter le nez, c'est la même chose. Si une personne s'arrache le nez, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça, c'est un geste de séduction. Qu'est-ce que t'en penses? Wow, je craque! Non, 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 mais... T'es carrément ridicule. Ah, non, mais moi, je pense que ça pourrait être bon pour notre sketch. On fait des gestes et on demande au reste de la classe ce que ça veut dire. Ce serait une sorte de quiz du langage non-verbal. Ça serait super, non? Si moi, je fais ça devant la classe, il n'y a plus personne qui va vouloir me parler pour le restant de l'année. Ça, c'est certain. Bon. Mais qu'est-ce que tu ferais tout d'abord, hein, si t'es si fine? Ce que j'aurais dû faire dès le début. Je rentre chez nous. Oh non! Pénélope, tu m'as promis! Hey, c'est pas vrai que t'as besoin de moi, Sylna. Tu suis dans ton livre, puis quand je te dis la moindre affaire, tu te fâches. Tu devrais t'arranger toute seule. Non, mais disons que je veux que tu sois là pour me dire ce que je fais de travers. Tu sais, moi non plus, j'aime pas ça avoir l'air folle. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse le meilleur sketch de la classe. Mais c'est parce que on n'a pas 6 mois devant nous autres. Non, mais on n'est pas des lâcheuses. Pourquoi tu tiens tant à le faire, cet atelier-là? Pour le fun, pour lâcher notre fougue, je sais pas, moi. Parce que ça me tente, c'est tout. OK, on va faire les sketchs.
Mais tu lâches ton livre sur le langage non-verbal tout de suite, là. C'est trop intellectuel. Je pense que j'ai une meilleure idée. Ah oui? Tu veux qu'on fasse quoi? Un sketch sans parole, cette affaire. Est-ce qu'elle me niaise, là? Bouge pas. Je vais chercher des affaires chez nous, puis je reviens. Qu'est-ce qui me dit qu'elle va revenir, hein? Oui, ouais, je te jure, c'est un vrai miracle! On a la maison pour nous tout seuls! Mais viens-t'en! Ah, quoi, t'es au métro, là? Ah, ben, joue dans ce cas-là, tu viendras après, je vais t'attendre. Ah oui, je te prépare un beau petit souper avec des petites chandelles. Ah, puis du jus de canneberge en masse. Ben, moi, t'en faire, moi, ben oui que ça va être bon. OK, à tantôt. Bye! Oh, oui. Manolo? C'est pas pour te déprimer, là, mais je suis là. Qu'est-ce que tu fais, là? T'attends le facteur? Ouais, c'est ça. J'attends le facteur, puis ça gagne. Ils sont gros, ils courent vite, puis ils fessent. Hey! Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton œil? Ben, c'est en jouant au ballon chasseur, là. J'ai reçu le ballon d'en face. Oh. Hey! Tut, Manon! Où est-ce que tu vas, là? Ben, dans ma chambre. Mais t'es supposé être chez ton père, il va être inquiet. Ben, je vais l'appeler, là. Je vais lui dire que j'ai dû passer par ici, c'est tout. Que tu changes les plans de tout le monde, comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas rester. Ah non? Non. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé une bonne partie de la nuit, je suis fatiguée, puis je veux pas qu'il y ait de monde en maison. C'est surtout parce qu'elle va être seule avec son chum. Puis tu gardes un secret. C'est pas un ballon que j'ai reçu d'en face. Salut! Bon, là, Marianne n'est pas là, Simon non plus, puis Victoria est sortie. Alors? Ben là, j'ai le droit de venir ici juste de même si je veux, pour voir mon cousin. Hein? Hey! Hey, qu'est-ce que t'as à l'œil? Un sketch, c'est un sketch. Ça prend des costumes. Si on n'a pas de parole, au moins, on va pouvoir se déguiser puis se maquiller un peu. Ah, ouais. Hey, wow! Elle est belle, celle-là! Celle-là, tu peux pas la prendre. C'est ma grand-mère qui me l'a faite. Elle est sur mesure. Tiens, mets ça, toi. Ouais, c'est pas mal gris, hein? Même un rat, je trouverais pas attirant, tu sais. On pourrait faire comme dans Notre-Dame de Paris. Ah! Oh, toi, tu ferais la belle Esmeralda et moi, le bossu, je suppose. Laisse donc faire. Mais là, c'est un point de départ. En tout cas, chance que moi, j'ai travaillé pendant que t'étais partie, là. Mon histoire est bien meilleure. Ça se passe dans une forêt magique. On est deux sœurs, mais toi, t'es muette. Ça fait que tu parles par signe. C'est bon, hein? Non, c'est pas bon. On fait Notre-Dame de Paris, comme j'ai dit. Y a pas juste le rôle du bossu que tu peux faire. Choisis-en un autre si tu l'aimes pas. J'aime aucun des rôles. On a les costumes, on a l'idée, on le fait. Écoute-moi, je vais te dire quoi faire. Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Ça va faire les ordres, hein? Hey, je suis pas ton esclave! Tu veux pas faire Notre-Dame? Qu'est-ce que tu veux faire, d'abord? Mais, un, là, je veux que tu changes de ton avec moi, puis deux, je veux que tu me laisses tranquille. Mais tu viens de me la donner, notre idée de sketch. Hein? Mmh. Puis? Ben, j'ai fait le tour du bloc deux fois, puis j'ai vu personne. Pas de gang de gars? Non. Avec les yeux croches, là, puis qui portent tous des bandes rouges à la tête? Non. C'est qui, ces gars-là? C'est une gang de fêlés. Tu peux imaginer 6 Frankenstein, pas de cervelle, qui a rattrapé la rage tout en même temps. Eh oui, mais y a personne qui a le droit de te menacer comme ça. Tu iras leur dire toi-même, OK? Elle comprend vraiment rien. Je pense que je vais aller me changer. Mais qu'est-ce que j'ai dit de si absurde encore? Ben, je pense que Manolo, il a pas le goût de provoquer les gars qui l'ont tapé, tu sais. Des fois, c'est mieux de laisser faire. Magali, faudrait que je te parle. Ah, ben là, Max va arriver. J'ai pas même le goût de jaser. Une autre fois, OK? Non, mais c'est super important, qu'est-ce que j'ai à te dire. Même que quand tu vas savoir, tu vas me remercier de te l'avoir dit. Quoi? T'as-tu vu une gang de Frankenstein, toi aussi? Frankenstein? Non, pire que ça. J'ai vu Max. Ben là, t'es pas vraiment fin. Je te le dis tout de suite, c'est une mauvaise nouvelle. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est l'air de gars qui sort d'un enterrement. Ben, c'est bien plate, qu'est-ce que je vais te dire, mais. Ben, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Ah ouais, dis-le! J'ai vu Max embrasser une fille.
ça avait pas de l'air d'un bec de frère et sœur, je te le jure. Une fille? Mais quelle fille? Il l'a embrassée? Oh non, non, je te crois pas. Max ferait jamais ça. T'es-tu certaine de ça? Parce que Max, là, c'est un visage à deux faces. Moi, je te le dis, moi. Il rentre comme dans un moulin. Il vient te voir juste parce que tu lui fais un bon petit repas chaud une fois de temps en temps. Mais fais-toi pas d'idée. Max, des filles, là, il y en a de même. Magali, il abuse de ta naïveté. Ça sonne. Ah. Oh. Ah, oh, ça doit être Max qui arrive. Mais tu peux y aller, c'est correct, là. Non, mais il n'a pas le droit de rester ici si je veux. Mais oui, tu peux rester ici, mais viens pas parce que Max puis moi, on est. Tom, mon amour. Tadam, c'est pour toi. C'est un de mes chums qui m'a montré à faire ça. C'est des fleurs en papier de cigarette. Mmh. Merci, t'es fin. T'as raison, elles sont pas si belles que ça. Puis comme elles sont faites en papier de cigarette, elles sentent pas bon non plus. Je m'excuse, j'aurais pas dû t'apporter ça. Ah, oh, non, 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 c'est correct. Merci. Gentil. Mais t'es fine de m'inviter à souper comme ça. Je mangerai un ours. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ben, rien. J'ai changé d'idée, finalement, j'ai le goût de sortir. Est-ce que ça te pose un problème? Non, 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 pas du tout. C'est juste que c'est toi qui m'as parlé d'un souper en amoureux. Moi, c'est ça que j'avais dans la tête. Bon, qu'est-ce que t'as, là? T'es fâché? Ben oui, dis-le que t'es fâché. Moi, fâché? Uh-huh. Ben non. Mais toi, t'as des poignards dans les yeux, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a, Magali? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non. Pas à moi, mais il paraît qu'avec une autre, t'as pas chômé. Il y a quelqu'un qui t'a vu avec une fille. Ah, oh, mais j'étais avec mon amie Aurélie. Elle chante souvent avec moi, c'est vrai. Ah, c'est ça, t'es jalouse. Voyons donc, mon amour. T'es jalouse parce que je chante avec des filles? Non, je suis jalouse parce que tu les embrasses. Hein? Pis sur la bouche, à part ça? Sur la bouche? Hey, wow! Ça paraît que tu connais pas son chum. Magali, j'ai pas embrassé Aurélie, je te le jure. Ah ouais? Pourquoi je te croirais? Mais parce que c'est vrai! OK. C'est la parole de ton espion ou de ton espionne contre la mienne. Ouais. Oui, mais ça arrive, tu sais. Il y en a plein de gars qui ont plusieurs blondes à la fois. Moi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je serais pas capable. C'est pas mon style. Magali, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas vrai. J'ai embrassé personne. Veux-tu bien me dire qui c'est qui est allé te raconter une niaiserie comme ça? Ah, personne, là. Je l'ai entendu entre les branches. Ouais, entre les branches, hein. Mais celui qui a parti cette rumeur-là, là, c'est rien qu'un menteur. Ça, c'est pas correct. Vraiment pas correct. Magali, est-ce que tu me fais confiance? Non, c'est pas évident. Oui. J'ai embrassé personne. J'attends, là. Commencez-vous bientôt? Oui, oui, on arrive dans deux minutes. Oh, je pense que je vais vomir. Okay. Oublie pas, là, t'es super fâché comme moi. On est enragé. Okay. Bon, enfin, ça commence. C'est bon, les filles, c'est super drôle. Hein? Comment ça, drôle? C'est supposé être tragique? Mais oui, c'est drôle comme c'est tragique. Je pleure presque, là. On n'a pas fini, là. On continue. C'est une chicane entre deux amis. Comment est-ce que tu peux t'imaginer que c'est comique? Ah, je comprends pas. Mon père a aucun sens théâtral. Excuse-moi, j'avais mal compris. Je vais... Je vais essayer de me concentrer. On reprend, là. Calme-toi, Célina. On continue. Non, laisse donc faire. Hey, j'aime pas ça faire rire de moi puis par mon propre père en plus, là. Célina, prends pas ça comme ça. Excuse. C'est moi, là. Je ris pas de toi. Je ris parce que... Parce que je suis de bonne humeur. Non, non, Célina. C'est vraiment super bon, votre affaire, là. Salut.
Oh, il fait beau dehors, hein? T'as pris un gros coup de soleil. Ouais. Il paraît que t'as peur de sortir de chez vous. J'ai pas peur de ça. Disons que j'ai eu ma leçon, c'est tout. Je le sais qui t'a fait ça. Ben moi aussi, ça donne. Je me suis fait conter l'histoire. Hé, hey, Manolo, t'aimes ça, le trouble, toi, hein? Tu peux me dire que ça t'a fait pour te ramasser de peinture et de merde? Ah! Touche pas le bobo, c'est sensible. Puis moi, j'ai rien fait, hein. Je me suis fait faire quelque chose, c'est pas pareil. C'est pas une très bonne idée de te pointer au parc en fin d'après-midi avec un bandana rouge. Voyons, Mano, tu fais exprès ou quoi? T'avais vraiment le goût de te faire brosser le dentier. Arrête de me baver, Max. Ces gars-là, je les connais même pas, je les ai jamais vus. Il y avait pas à leur faire à me frapper. Hey, le bandana rouge, Manolo, ça appartient à la gang du bout de la ville. Tout le monde sait ça. Voyons, ils ont comme une sorte d'exclusivité là-dessus. Tu vas pas au parc avec un bandeau rouge sur la tête quand t'en as une puis que tu veux la garder, tu sais. Hey, j'ai le droit de porter ce que je veux. Mais oui, c'est vrai ça. Chez vous, tu fais ce que tu veux, tu porteras bien ce que tu veux. Mais ailleurs, tu provoques pas les gangs. Tu comprends? C'est de même que ça marche. Taille. De toute façon, je suis barré au parc. Ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient plus jamais me revoir à la face. Il avait pas l'air de niaiser. Inquiète pas pour ces gars-là. Je vais m'en occuper. Comment ça déconne? Non, pas en personne, là, mais je vais m'arranger pour faire passer le mot. Leur faire comprendre que t'es juste un tweet qui essayait d'avoir l'air cool. S'ils savent que tu voulais pas vraiment les provoquer, ils vont te laisser tranquille. Ben, merci pour le tweet. Ben, ça me fait plaisir. Mon oncle Max, il va s'occuper de ton cas. Mais tu portes plus jamais ça, compris? Et attends, je vais aller te reconduire chez ton père. Non, je peux pas rentrer. Ben, mon père m'avait dit de pas porter le bandana ce matin, je l'ai porté pareil, ça fait que... Écoute, Manolo, t'auras juste à lui dire qu'il avait raison, c'est tout. Là, tu m'en dois une pour la gang du bout de la ville, hein? Ouais, ouais. Et ça donne que Magali est en train de se préparer une belle sortie en amoureux. Avec qui? Avec moi. J'aimerais ça quand on revienne, il y ait plus un chat dans la maison. Tu sais, personne, tu peux comprendre ça? Ah oui? Ouais. C'est ça, viens t'en, on va chez ton père. Hein? Oh. Pourquoi je me suis embarquée là-dedans aussi? Dire que je faisais ça pour elle, hein, pour qu'elle soit moins gênée. En fin de compte, c'est moi qui suis ridicule. Mais c'est pas vrai, t'as pas été ridicule. Arrête le Pénélope, là, je suis pas folle, hein. Même mon père rit de moi. Puis de qui on rit d'habitude, hein, de qui? Humiliation totale. C'est simple, je suis une farce ambulante, tu sais. Puis, est-ce que c'est si grave que ça que tu sois comique? Juste un petit peu. Bof. Peut-être pas, là, mais de toute façon, je m'en fous, je lâche l'atelier. Hey, y'en est pas question. Là, Célina, t'as commencé, faut que t'ailles jusqu'au bout. Pense plus à si t'es bonne ou non, OK? Pense plus. Je suis pas capable, moi, je pense tout le temps. Hey, t'es capable. Ferme tes yeux, puis laisse-toi aller. Hey, joue pas au prof avec moi, OK? Tu vois, là, t'es naturel. Si tu fais ça dans notre sketch, là, ça va être numéro un. Arrête d'insister, là, Pénélope, je veux plus continuer. Voyons, Céline, tu peux pas faire ça. Souviens-toi, tu m'as convaincue de continuer en me disant qu'on n'est pas des lâcheuses. Tu vas pas m'abandonner, hein? Écoutons, est-ce qu'elle est en train de se changer en moi, elle? Allez, on recommence. S'il te plaît, fais ça pour ta grande amie, hein? Ouais, t'as raison. Au travail. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pardon, je te l'ai dit. Ouais, tu m'as dit de pas porter le bandana, mais tu m'as pas dit pourquoi, hein? Je lis pas dans ses pensées, moi. Ben, c'est ça. Puis là, tu te retrouves avec un œil au beurre noir. Ben ouais, c'est de ta faute. OK, peut-être que je t'ai mal expliqué. Mais toi, là, t'aurais dû m'écouter puis pas sortir avec ton bandana. T'as été imprudent, Manolo. Tu sais que ça aurait pu être pire que ça. Hey, merci de l'encouragement. Déjà que j'ai peur de sortir de la maison. T'as pas à avoir peur. T'as juste à reconnaître les codes puis à faire attention. Éteins. Où ça? On passe la police, on va aller porter plainte. Vas-y tout seul, hein. Moi, je veux pas porter plainte contre personne. Ils te font peur à ce point-là? Je te comprends, Manolo. Mais la prochaine fois, tu vas être prudent. Les gangs, là, faut pas se mesurer à ça. Hey, ça tombe bien, hein? C'est pas ce que j'avais l'intention de faire, justement. Non, il y a des vêtements qui sont comme des symboles qui veulent dire autre chose que juste qu'ils ont de l'air. Faut que tu te renseignes. Je pense que j'ai compris. Qu'est-ce que t'en penses? Tiens.
Avec ça, là, je pense que personne va comprendre de travers. Hey, wow, merci, super, hein? Moi, je vais aller au poste. Il faut que la police soit au courant de ce qui t'est arrivé. Ah, c'est important, Manolo. C'est correct, là. Vas-y, mais moi, je vais rester ici. Puis la prochaine fois, là, écoute donc ton vieux père! Écoute, Mathieu, tu te trompes sur Max. Je suis sûre de ça. C'est pas moi qui me trompe, c'est lui qui te trompe. Max a pas embrassé Aurélie. Bon, c'est sa parole contre la mienne. Écoute, j'ai parlé à Aurélie. Elle a chanté avec Max, mais elle l'a pas embrassé. C'est elle qui me l'a dit. Ben là, j'ai peut-être mal vu, là. Il y avait bien du monde, t'sais. Mais pourquoi tu fais ça, Mathieu? C'est pas correct, là. Tu me déçois. Bon. C'est lui qui abuse de votre confiance, puis c'est moi qui passe pour l'écœurant. Mais de quoi tu parles? Max, il mange toujours ici. Victoria, il donne des cours. Il est toujours emprunté de l'argent. Il vient ici pour quêter ce que vous pouvez lui donner, puis après ça, il repart. C'est un parasite, puis vous autres, vous voyez rien. Puis toi, tu viens jamais souper chez nous? Hein? Ben, moi, c'est pas pareil. Je fais partie de la famille. Parce que là, tout ce qu'il veut, c'est profiter de votre bonté. Là, je suis désolée, mais c'est pas vrai. La preuve, c'est que Max me sort ce soir et m'amène au resto. Il trouve que c'est à son tour. Bon. Es-tu prête, là? Oui. Moi, je meurs de faim. Du chinois, ça te tente-tu? Oh, super! Oh, je vais pas manger du chop suey, des egg rolls puis de la sauce au fruit. Moi, du pâté chinois. Salut! Bon, là, je pense que ça va être bon. Tu vois, je te l'avais dit. Mais moi, par exemple, il y a une chose que je t'ai pas dite. J'ai besoin de certains petits conseils que peut-être Pénélope peut me donner. Oh non, là, tout est parfait. Il faut rien changer. La vraie raison pour laquelle je tenais tant à m'inscrire au parascolaire d'expression théâtrale, c'est... un gars. Oh, ouais? Qui? Ben... Shakim. Shakim. Oups, je pense que je me suis pas adressée à la bonne personne. Il y a un parascolaire de cuisine à l'école, tu devrais peut-être t'inscrire. Hein? Ça t'aiderait. Je l'ai pas dit avant. Là, franchement, qu'est-ce qu'il est là? Il m'intéresse. Mais oui, mais il m'intéresse bien plus. Écoute. Elles ont rajouté des paroles à leur scène. C'est comme moi, je sais qui m'a regardé. Quoi? Les filles! Ça s'en vient vraiment bien. En tout cas, moi, j'aurais apprécié. Laisse faire les filles, là, puis aide-moi si on veut souper ce soir. Shakim, c'est moi qui regarde, pas toi. Ah ouais? Mais comment ça tu sais ça? Il te l'a dit, je suppose, hein? Je l'ai vu avant toi, puis j'ai parlé à part de ça. C'est à cause de lui que j'ai bégayé. Non, madame, c'est moi qui l'ai vu en premier. Même que moi aussi, je lui ai parlé, hein? Il m'a prêté son efface. Regarde, je l'ai gardé, hein? Est à lui. Quand un gars est déjà pris, il faut s'en trouver un autre. Ben là! Attends un peu, là. Est-ce qu'on est encore en train de se chicaner, nous autres? Non. C'est juste des idées pour un nouveau sketch. Entre filles, les chicanes, c'est pas toujours à cause des gars? Ben, des fois. Souvent. Y a rien de mieux qu'un gars pour faire de la chicane entre deux filles.